Nous allons fermer ce volet économie pour parler environnement maintenant avec cette question de Pierrick Renaud. Yorana, vous venez de Mouria et votre question est sur la gestion de l'eau. Bonsoir, bonsoir Président. J'aimerais savoir pourquoi on accorde encore des permis de construire quand la Société polynésienne des eaux donne un avis défavorable, sachant qu'elle ne pourra pas fournir d'eau. Sachant qu'en même temps, la Société polynésienne des eaux déleste le réseau et prive de certains habitants d'eau. Et qu'en même temps, un grand hôtel a enlevé ses cuves tampons pour se brancher directement sur le réseau avec la consommation qu'on imagine. Alors, quelle est votre question précise ? Pourquoi continue-t-on à donner des permis de construire alors que la Société polynésienne des eaux donne un avis défavorable, sachant qu'elle ne pourra pas fournir d'eau? Et de ce fait, sur le réseau de Moréa, il y a des gros problèmes. Vous parlez de permis de construire individuels ou de permis de construire sur des unités collectives? Tout dépend de l'avis de cette société. Si cette société qui est en charge de la distribution de l'eau dit qu'elle ne pourra pas subvenir aux besoins, c'est invraisemblable de donner le permis de construire, que ce soit en individuel ou pas. Alors, la question pourrait nous être tournée, pourquoi vous voulez m'empêcher de construire sur le seul terrain dont je dispose? Je veux empêcher personne de construire, mais je veux qu'on puisse dire aux gens, on vous donne un permis de construire, mais vous n'aurez pas d'eau, le fait pas. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, quand l'avis de la Polynésienne des eaux, ou même parfois de la commune, parce que parfois c'est les communes elles-mêmes, je prends le cas de Faa, c'est la commune qui fournit de l'eau, quand il y a des demandes de permis de construire, la commune parfois émet un avis négatif en disant, désolé, si vous construisez là, on ne sera pas en mesure de vous fournir de l'eau. Maintenant, la commune émet un avis qui n'est que consultatif, et l'avis final, ce n'est pas la commune qui le rend. Donc, on ne peut pas fondamentalement empêcher quelqu'un de s'installer, mais il faut l'avertir qu'il n'aura pas d'eau. Et normalement, ça, c'est inclus dans la décision relative à son permis de construire. D'accord. Et que pensez-vous du fait de priver les habitants d'eau pour faciliter l'utilisation à l'envi d'eau dans les grands hôtels? Alors là, vous posez une question qui est beaucoup plus globale et ça tombe bien, cet après-midi, de 14h à 16h, j'assistais au comité de pilotage de l'eau, où nous avons donc validé la stratégie de l'eau pour les années à venir, en concertation avec l'État, avec l'Europe, avec les communes. C'est une question qui est très complexe, celle de l'eau, parce qu'il faut d'abord pouvoir connaître les ressources en eau, il faut pouvoir y accéder, il faut définir une tarification, il faut définir des règles d'utilisation. Vous me parlez d'un cas particulier par rapport à une société, je ne connais pas moi le fond du dossier, je ne peux pas vous répondre ce soir là-dessus. Sur le principe, en tout cas, je pense qu'il faut gérer cette ressource en eau qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas illimitée. Il faut la gérer de manière durable et il faut également se rendre compte qu'on n'est pas égaux face à cette problématique. Quand vous parlez à un Pomoutou de l'eau, c'est pas la même chose que quand vous parlez à quelqu'un qui habite une île haute. Vous voyez, quand vous parlez au maire de Rimatara de l'eau, il vous dit, vous savez, moi je suis pas classé atoll, mais en fait je suis comme un atoll parce que le point culminant de mon île, il est à 80 mètres de haut. Donc j'ai pas les ressources en eau d'une île comme Tahiti ou d'une île haute comme Raiatea. Donc cette problématique de l'eau, elle est globale. Il y a des grands principes qu'on doit appliquer partout. C'est ceux de la bonne gestion de l'eau. C'est ceux aussi des conflits d'usage qui peuvent exister entre le développement économique et l'utilisation de la ressource en eau. Vous avez des activités, notamment par exemple l'agriculture, qui peuvent être grandes consommatrices d'eau. Il faut qu'on se pose la question, dans cette politique de l'eau, on doit absolument inclure le ministre des ressources premières, du secteur primaire, parce que l'agriculture, c'est un secteur qui est potentiellement très utilisateur d'eau. Mais ce n'est pas le seul. Il faut revoir également le code de l'aménagement, il faut revoir la manière dont on construit. Tout ça a un impact sur notre utilisation de cette ressource en eau.
Beaucoup de questions ce soir. On continue sur cette thématique de l'environnement avec une question de Ranitea Greg de Haroué qui est chargée de communication. Bonsoir Président, bonsoir tout le monde. Je suis donc Ranitea Greg et membre du bureau de l'association Atianou de Harou, stop à la déforestation de notre Fénois. Donc ma question est, quelles sont les mesures que votre gouvernement prendra pour la préservation de notre environnement, notamment pour nos forêts? Et compte tenu de l'arrivée massive de métropolitains sur le territoire, qui engendre aussi des constructions de promoteurs immobiliers, d'immeubles de standing. Donc quelles sont les mesures que vous prendrez? Est-ce qu'il y aura des lois, des obligations par rapport à ça? Alors, il y a d'abord un constat qui doit être fait, c'est celui de la nécessité de loger les gens. En dehors des logements de standing que tu cites, il y a aussi besoin de construire des logements pour tout le monde, pour des gens nécessiteux, pour des classes moyennes, on a besoin de se loger. C'est toute la question de la place de la nature dans notre mode de vie. C'est la question du mode de construction qu'on va adopter. Est-ce qu'on va continuer à faire des grands collectifs? Alors, les grands collectifs, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que sur une même superficie, on peut loger beaucoup plus de monde. Et donc, en termes d'emprise foncière, finalement, on est plus économe. L'inconvénient, c'est que c'est pas tout à fait adapté à notre façon de vivre et que ça peut créer des phénomènes secondaires qui sont pas forcément faciles à gérer. Maintenant, sur la question de l'environnement, la préservation de l'environnement, il y a des règles qui existent. Parfois, elles ne sont pas respectées parce que, tout simplement, les moyens de contrôle ne sont pas suffisants. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, il suffit pas de prendre un règlement pour qu'il soit respecté. Derrière, il faut pouvoir contrôler et il faut avoir les moyens de coercition si ces règles ne sont pas respectées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de règles, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Hein. On va se dire les choses franchement. Donc demain, nous voulons augmenter les moyens de contrôle qui sont liés aux règles déjà existantes et nous envisageons donc une réforme du Code de l'environnement qui viendra poser peut-être... Il ne s'agit pas d'aller contre le développement. Mais il s'agit dès le départ de fixer les principes de ce développement, de se dire voilà ce qu'on est prêt à avoir comme développement et voilà ce qu'on ne veut pas comme développement. Je parlais surtout des immeubles de standing qui ne sont pas accessibles à notre population. Oui, mais malheureusement, là, on est dans le registre de l'économie libérale et du secteur privé. On n'est pas en URSS. Donc, le gouvernement ne peut pas, demain, imposer à un promoteur privé sur un foncier qui lui appartient de faire du logement social ou de faire du logement intermédiaire s'il veut faire des immeubles de haut standing. C'est comme ça. On peut, par contre, s'assurer que c'est fait dans le respect des règles que le gouvernement fixe. Merci, Président. Nous continuons à parler environnement avec votre question, Wendy Jordan Yorana. Vous êtes conseillère en assurance, vous êtes de Punaouia et votre question, c'est sur la montée des eaux. Tout à fait. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Je fais la tête, bonsoir à la Polynésie. Déjà, tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir retenu une de mes questions et me permettre de vous la poser ce soir. Donc, effectivement, quelles mesures seront prises en charge par le gouvernement pour faire face à la montée des eaux et au changement climatique, tout en sachant que vos prédécesseurs avaient étudié et mis en place des solutions. Par exemple, je parlais des propriétaires près des berges. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez mettre d'autres solutions par rapport à ça? Voilà. Alors, dans votre question, en fait, il n'y a pas que le problème de la montée des eaux. Il y a celui de l'urbanisation et de son effet sur le littoral. Parce qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de la montée des eaux. Hein, vous avez une érosion du littoral qui est liée tout simplement à l'activité humaine. Et parfois, ce qu'on fait très haut dans la montagne a un effet sur l'érosion du littoral. Donc il faut des règles d'urbanisme, il faut des règles d'aménagement. Il faut, je crois, à terme, qu'on puisse disposer d'un outil d'aménagement qui n'existe pas aujourd'hui. Un outil d'aménagement qui puisse... aider le gouvernement, aider le pays
à faire en sorte qu'on n'ait pas des constructions sauvages un peu partout, en dépit des règles environnementales. Sur la montée des eaux en elle-même, d'abord, c'est dramatique, mais c'est la réalité. La majeure partie de ce phénomène n'est pas due aux Polynésiens. C'est l'activité des très grands pays qui est en très très grande majorité la cause de ce dérèglement climatique et de la montée des eaux qui vient avec. Est-ce que moi, président de la Polynésie, du haut de ce tabouret, je vais pouvoir aller donner des leçons à Xi Jinping et à d'autres pour qu'ils changent leur mode de vie? J'ai quelques doutes là-dessus. Est-ce que la COP 72 va venir changer quelque chose? J'ai aussi des doutes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et nous, on est, en revanche, paradoxalement, les premiers qui allons être confrontés à cette montée des eaux. Je pense notamment à l'archipel des Tuamotu. Quand vous allez au Tuamotu, vous êtes parfois à un mètre au-dessus du niveau de la mer, parfois moins, parfois un peu plus. Les effets de cette élévation du niveau de la mer ne se voient pas encore vraiment. En revanche, ça se ressent déjà. Ça se ressent par la salinisation des nappes. Quand vous allez dans certaines îles, ils vous disent l'eau, elle commence à avoir un goût vraiment salé. Hein. Et donc, ça pose... On revient à la question de la gestion de l'eau. Donc ça va être, je crois, le premier impact. Mais quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ça, c'est une réalité. Va se poser à terme, si la montée des eaux continue, la question de la relocalisation de certaines populations. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, si certains atolls sont destinés d'ici, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais si dans 50 ans, certains atolls sont sous l'eau, je crois que les gens ne vont pas pouvoir continuer à y vivre. On ne va pas faire des maisons au-dessus de l'eau. C'est juste pas viable. Donc il faut se poser ces questions sur la durée et déjà avoir des plans. Parce que voilà, c'est pas le tout de dire il va falloir bouger de là où vous êtes. Déjà, c'est un déchirement culturel, c'est un déchirement profond pour un Polynésien de se dire qu'il va partir de parfois là où son Poufénois est enterré. Mais il faut ensuite prévoir où est-ce qu'on va mettre ces populations qui devront être relocalisées le cas échéant. Voilà. Merci. Avant, il y a encore beaucoup de questions ce soir. On va essayer de donner la parole à tout le monde. On continue de parler environnement avec Laurence Piercy de Punaouia, qui est cadre et qui a une question sur la condition animale. Bon, Yorana, président. Laurence Piercy, donc du Parti animaliste. Je souhaiterais dans un premier temps vous demander si vous avez prévu de reconduire le portefeuille de la condition animale et de le confier à nouveau à un de vos ministères. Ce dans le but de rendre de façon pérenne les stérilisations qui avaient lieu jusqu'ici en matière de surpopulation canine et féline. Mais ma question aussi, concerne le fait quid de la surpopulation canine. Nous sommes à la veille des Jeux olympiques. Est-ce que vous avez envisagé des mesures afin de pouvoir justement contrôler, on va dire, cette surpopulation sans en arriver à la veille de cet événement, par exemple, à une capture de masse et éradication ou euthanasie de masse? Avez-vous envisagé aussi envisagez-vous des stérilisations pour ce qu'on appelle les laissés pour compte, les res nullius? C'est-à-dire que souvent on a pu voir jusqu'ici par vos prédécesseurs des campagnes d'aide à la stérilisation, mais qui ne s'adressaient qu'à des animaux ayant des maîtres. Quid de ceux qui sont en divagation, puisqu'on a pu voir que tous les grands drames ou autres problèmes souvent étaient liés à des animaux ou à des chiens qui avaient des maîtres. Alors je souhaiterais aussi vous demander si vous prévoyez de légiférer sur une responsabilisation justement de ces personnes et de ces détenteurs.
D'accord. Alors d'abord, peut-être corriger une partie de votre question, puisque la cause animale est déjà affectée à Madame la vice-présidente, qui est aussi en charge de l'environnement et de la culture et de l'enseignement supérieur. C'est un portefeuille qui lui est cher. Elle est elle-même très sensible à la cause animale depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'elle a demandé expressément à se voir confier ce portefeuille. Ensuite, il ne vous sera pas échappé que dans la réforme de la composition du CESEC, pour la première fois de l'histoire de la Polynésie, les associations donc, de défense de la cause animale seront représentées au CESEC pour la première fois. Et nous avons également donc une réorganisation des services qui est en cours pour que tout ce qui relève du respect et du mieux-être des animaux soit concentré au niveau de la DIREN, qui nous semble être le service qui est le mieux calibré pour s'occuper de ça. Donc ça, c'est au niveau opérationnel. Au niveau réglementaire et législatif, je laisserai Madame la vice-présidente prendre votre attache, et c'est la tâche des associations qui œuvrent pour le mieux-être animal. Elle vous détaillera le plan qui est le sien. On a été saisi récemment par le maire de Rurutu, je crois, d'une demande donc de mise en place d'une opération de stérilisation à laquelle nous avons répondu favorablement. Et ce type d'opération va se répéter, mais elle doit se faire de manière coordonnée avec les communes. Tout à fait, mais est-ce que ce genre de stérilisation va concerner justement que les animaux ayant des maîtres, ayant... Alors ça, moi, je ne peux pas vous répondre précisément à cette question. Je la poserai dès demain matin à Eliane, mais c'est une question qu'elle gère à son niveau. D'accord, merci. On avance avec encore cette question sur l'environnement. Elle vient de vous, Ronaldo. Bonsoir tout le monde, bonsoir président. Bonsoir. Alors ma question, ça va être sur les transports, concernant un ancien projet qui devait relier les hauteurs de Punaviafaa jusqu'à Dipéru, la route des coteaux. C'est un projet qui a été étudié, il y a eu des études depuis 2011, 2017, 2019. Est-ce que ce projet va avoir le jour ou il y aura une alternative? Alors, ce projet de la route des coteaux, il se heurte à plusieurs obstacles. Le premier, c'est celui du foncier, parce que sur tous les... Je crois qu'il y a eu trois tracés qui ont été envisagés, et sur les trois tracés, on traverse des propriétés privées et des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord pour qu'il y ait une route sur leur terrain. Alors, on va se poser la question des DUP, des déclarations d'utilité publique, se pose également la question du financement de tels ouvrages. Je ne sais pas si vous avez une idée réelle des coûts aujourd'hui de construction d'un kilomètre de route, mais ça donne le tournis. Il y a d'autres réalisations sur le réseau routier qui nous paraissent aujourd'hui plus prioritaire, c'est notamment les projets qui ont été exposés lors du Conseil des ministres délocalisés à Mahina, donc de mise en place d'une voie 2+1, un peu à l'image de ce qu'on retrouve sur Aroué. Évidemment, l'idéal, encore une fois, c'est le TCSP, mais en attendant le TCSP, nous pensons que ce sera déjà un progrès pour tous ceux qui viennent de la côte Est et qui se retrouvent coincés là, au niveau du Tara, dans cette montée. Donc pour l'instant, c'est ce projet-là qui est prioritaire dans notre programmation. Ça ne veut pas dire que la route des coteaux n'est plus envisagée, mais on est en train d'examiner encore une fois les blocages au niveau du foncier. On a la même question qui va se poser sur la fameuse route du Sud, qui a été la cause de plusieurs échecs électoraux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais cette route du Sud, il y a là aussi plusieurs tracés, plusieurs options qui sont envisagées. Notre ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a beaucoup travaillé sur ce dossier depuis qu'on est arrivé. Il a, je pense, une solution qui devrait satisfaire pas mal de monde, mais je ne vais pas dévoiler ce sur quoi Jordi est en train de travailler. Je lui laisserai le soin de nous exposer dans les mois qui viennent ce projet de route du Sud.